papillon en français, butterfly en anglais, borboletta en portugais, Vetterling en allemand, le nom d'un tabouret, d'une chaise, d'une table, c'est quelque chose de très important. Ça participe de son identité, pas simplement pour le vendre, mais pour aussi qu'on s'en souvienne. En 1952, quand le designer et architecte Sori Yanagi réalise le tabouret Butterfly, c'est à un moment où le Japon, finalement, est dans une période de miracle économique et s'impose comme un leader en matière de design. On disait d'une façon un petit peu langue fourchue que les Japonais copiaient la technologie occidentale, etc. La preuve que non. Parce qu'en fait, le tabouret Butterfly est la réunion de quelque chose de très ancien et de très japonais, un savoir-faire traditionnel, et en même temps une influence prise partout, notamment en Occident. Donc ce n'est absolument pas la copie de quoi que ce soit, mais c'est beaucoup mieux. C'est ce qu'on attend du design, à savoir de l'invention, de la création, avec en même temps une maîtrise technique qu'on peut voir ici, qui permet d'avoir quelque chose de très très simple. Ce sont en fait deux feuilles de contreplaqué, réunies par deux vis, et c'est tout pour la partie supérieure. Et en bas, pour la stabilité du tabouret, vous avez un fil de laiton très mince, presque invisible, qui permet la stabilité de cette petite pièce de mobilier. Quand on regarde sa couleur, ce bois clair, en fait, on pense tout de suite à quelque chose qui est très important pour Sori Yanagi et qu'il a hérité de son père. Son père, Soetsu Yanagi, est un héros, H-E-R-A-U-T, du mouvement Mingei. Le mouvement Mingei, c'est ce mouvement qui est né au début du XXe siècle et qui faisait la promotion de l'art populaire japonais. Sori Yanagi est l'héritier de ce type de mouvement et il a été, dans sa prime adolescence, on va dire, ouvert aux échanges culturels en matière de design. Quand il n'est pas encore étudiant, son père lui demande d'être l'interprète de Charlotte Perriand venu au Japon pour conseiller la production industrielle. Charlotte Perriand est une femme qui ne mâche pas ses mots, qui dit ce qu'elle pense, qui, comme elle dit, a un œil à 360 degrés et observe tout ce qu'elle voit dans ce pays qu'elle découvre autour d'elle. Et en fait, de ses observations, il va finalement faire son miel et après aller tout de suite étudier et l'architecture et le design. À partir de 1952, alors que Sori Yanagi vient de créer au Japon l'association des designers industriels, donc c'est dire à quel point ce qu'il crée s'inscrit dans une espèce de mouvement où le Japon est vraiment numéro un en matière de design, le tabouret Butterfly, on le trouve en France dans un endroit particulier qui est la galerie Steph Simon, boulevard Saint-Germain. C'est un endroit qui fait vraiment la promotion de ce qui se fait de plus moderne à ce moment-là dans le monde du design. Cet objet, après, a été produit par d'autres éditeurs, donc notamment par Vitra qui le fabrique aujourd'hui. Et en fait, il est, dès le début, un symbole de cette collaboration entre un esprit traditionnel japonais. D'ailleurs, on peut voir dans sa forme une sorte de rappel de l'entrée des temples Shinto ou de ces signes architecturaux qu'on met devant, à savoir les torii traditionnels japonais. Et en même temps, cet usage du contreplaqué, c'est quelque chose qui a existé aussi très fort aux États-Unis avec les formes organiques qui ont été mises à la mode par le couple Charles et Ray Eames. Eux-mêmes influencés de designers venus du froid comme les Saharis ou Finiul. Et finalement, si lui est plus organique qu'une Perriand qui est un petit peu plus théoricienne ou plus avec des formes moins inspirées aussi précisément de la nature, ce qu'ils ont en commun, c'est que tous les deux, ils s'affranchissent des codes, ils sortent de leur boîte. Et finalement, il n'y a rien de mieux que des gens comme ça pour justement créer ces échanges qui au début sont culturels et qui à la fin finissent par de faire d'excellents produits de design.